Vous ne pouvez impressionner personne. Même le MRC et le MRC, c'est peut-être même le MRC. 3 fois plus que le PCN. Or, le MRC. À vous, le conditionnez aujourd'hui. Ils ont gagné. Non, le MRC, c'est pas sûr. Ils ont gagné alors. Ils vous sont supérieurs. Mais ce qui est important. Mais eux-mêmes ne nous impressionnent pas. Ce qui est important. Vous. Non, ce qui est important. Et ils ne sont pas sur le plateau, justement. Ce qui est important. Ils font du bruit alors qu'ils n'ont pas de taille à influencer quoi que ce soit. Si le MRC, c'est deux fois le PCRN, plus le PCRN, plus l'UPC, plus machin. Cela, soyez humble, mettez-vous derrière le même salon. Je vous dis que nous n'avons pas le même niveau soyez de débat. Honnête et vous avez le débat de rue. Oh là là. Mais c'est pas ouais. le même cas que moi. Bon, qui fait le débat de rue. Je suis en train de dire c'est que vous pour l'opposition, c'est une bonne chose que le MRC ait beaucoup de voix, puisque vous le dites. Je ne dis pas qu'ils ont beaucoup de voix, je dis qu'ils vous dépassent deux ou trois fois. C'est ça le problème. Ils vous sont supérieurs. Vous ne pouvez pas venir nous dire qu'on a peur du PCN. Vous ne me ferez rien dire. Il y a notre parti là qui vous dépasse deux ou trois fois, qui ne nous impressionne pas. Pour ceux qui... Mais si ça ne vous intéresse pas tant, laissez-nous donc tenir. Vous ne nous impressionnez pas. Vous n'impressionnez personne. Très bien. Vous n'impressionnez que vous-même. Yves, ils sont trop prétentieux. Yves Abama. Sincèrement, si. Non seulement on sont prétentieux. Non, vous êtes prétentieux. On gagne. Vous gagnez quoi? Les petits vous gagnez parce que les autres n'étaient pas aux élections. Il y a dès que ces gars, si le MRC revient dans le jeu électoral, oui. L'UPC revient dans le jeu électoral, écoutez, ces gars, ils n'auront même pas 2%. Suivant dans le raisonnement, Nkondjob, par exemple, il dit que nous avons gagné. Pourquoi? Parce que le MRC, ça veut dire que le MRC. Je ne regarde pas Nkondjob. Je regarde là où il y a l'essentiel de vos militants, comme ton camarade a dit. Prenez. Ça veut dire que reconnaissez. Moi, je parle de ce que je connais. Il est de là-bas. Et là-bas, par rapport à leur gun, de manière générale, représente quoi? Ah bon? Ben si. Mais attendez. Ça représente quoi? Je vais dire, s'il te plaît, Il faut faire je vais dire que prenez le gain politique du PCN aux élections locales de 2020. Oui, oui. Vous enlevez une conjoint. Oui. Il reste quoi? Beaucoup, non? C'est ça, non? Oui. Et ce beaucoup-là, quand son camarade vient s'asseoir ici, il vous dit que les censés de nos militants, c'est sur la nationale numéro 3. Vous pensez qu'ils vont nous impressionner avec ça? Et alors, pensez donc. Mais écoutez, il y a aussi l'Est. Il y a le Nord. Il y a l'extrême nord. Il a dit l'essentiel. Non, c'est pour ça que je dis qu'un parti, ce n'est pas l'essentiel. Ah, ok. Un parti, c'est l'ensemble. Voilà, c'est ça. D'accord. Et vous n'en savez rien au PC. Le jour où vous ferez un seul jour dans l'opposition, vous allez même disparaître. Vous êtes un micro. Félicitez même ceux qui résistent, qui ont la résilience de vous combattre. Vous êtes un micro. Après la sortie du docteur.